Mes amis, je vous présente notre bateau, le Scola Pasta. Waouh, c'est des beaux. Hein. Oh, voyons, t'as le sens de l'accueil, toi. Tu aimes bâtir un bateau. C'est drôle, je pensais pas avoir mon pote avec une autre femme. Je suis sûr qu'elle va nous faire chier. Tu la connais pas? C'est une conne. T'es bien installé? Ouais, magnifique. T'es sûr que c'est le bon moment pour arrêter de fumer, oui? Fais-moi confiance, je gère. Pas de problème. Et elle a quel âge, Daphné? Elle a 34 ans. Ah oui. Mon premier, c'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comment est Richard, tiens? Ah non, pas si vieux. I want to say I want very happy to be here in Beauvais. Beauvais. La plus belle ville du monde. A beautiful city in the world, Beauvais. Bonsoir Olivier Barou. Ce soir, on est là pour le film Entre amis. Hmm? Dans votre avant-dernier film, on a marché sur Bangkok. Vous tuez Gérard Jugnot au début du film. Oui, et là, je le reste. Et là, vous essayez de le noyer quand même. Oui, bah, tous d'ailleurs, hein, pas que Gérard, alors, Daniel, François, les filles aussi, je cherche à noyer tout le monde. Ouais. L'objectif, c'est de prendre des acteurs réalisateurs et de les trucider en film pour rester réalisateur. Et qu'il y ait moins de concurrence. Voilà, c'est ça. Et que je me retrouve un peu seul sur le marché. Mais je n'ai pas réussi à trucider Daniel et Gérard, qui sont réalisateurs, et Zabou, qui est réalisatrice, donc je n'ai pas réussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé, quoi, ça aurait fait un peu plus de place et j'aurais pu avoir plus de projets. Et justement, quelle est l'appréhension de diriger les acteurs, de diriger des acteurs qui sont des réalisateurs? Est-ce que non, au début, il y a un petit truc? C'est une légende, ça, une légende. Parce que quand les réalisateurs deviennent acteurs, en général, ils ne sont que acteurs, ils sont bien contents de ne pas avoir la charge de travail du réalisateur. Donc, ils se laissent porter, ils sont là ensemble, ils sont entre potes avec leurs copines, leurs copains, et ils se laissent porter par le réalisateur, par le script. Et ils n'ont absolument pas envie d'entendre parler des problèmes de réalisation, où mettre la caméra, comment éclairer cette scène, comment faire la mise en scène. Ça, ça ne les intéresse absolument pas. Eux, ils veulent jouer, jouer, jouer. Et ça, c'est génial. Il peut y avoir des acteurs, là, ça ne m'est pas arrivé, mais il peut y avoir des acteurs qui se prennent parfois pour des réalisateurs et qui pourraient dire au réalisateur, t'es sûr que la caméra... Bon, là, il faut tout de suite leur dire, écoute, joue et laisse-moi faire. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai entendu dire que parfois... Ça veut dire que ce sont des acteurs qui ont envie de réaliser. Et qui, avant de se lancer dans le grand bain, essayent dans leur film de voir s'ils ne peuvent pas donner leur avis de réalisateur. Si j'ai bien compris, vous voulez utiliser le vent d'Est? Non, non, Nord-Ouest. Ouais. Gilet de sauvetage. Très important. Bien, sauvetage. Ils pourront vous sauver la vie, surtout en cas de pépin. Quel pépin? Il s'enfile. De la manière suivante. Ah. On enclenche la boucle de cette façon. Et on resserre les sangles ici et ici. Ah. La petite languette jaune sert à gonfler le gilet. Sur mon ordre et seulement sur mon... Oui, alors j'ai confondu avec la sangle de serrage, Baptistou. Allez, un peu de solidarité, les gars, là, allez. Le point du film, c'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis une trentaine d'années, qui d'habitude prennent leurs vacances ensemble. Dans une maison de campagne. Dans une maison de campagne, et là, vous les avez mis sur un bateau. Oui, parce que le propriétaire de la maison, qui est Daniel Auteuil, vient de se séparer de sa femme, avec qui il était depuis très longtemps, et qui faisait partie du groupe, de ce groupe de 6 amis. Il vient de se séparer d'elle, et évidemment, il est hors de question pour eux d'aller dans la maison du Luberon cette année, puisque Charlotte, elle, est en vacances dans la maison du Luberon avec ses copines, et elle noie son chagrin. Et donc Daniel Auteuil, décide d'emmener sa petite troupe sur un bateau pour faire une traversée vers la Corse. Ça sera l'occasion pour lui de revoir ses amis, et surtout l'occasion pour lui de présenter sa nouvelle femme, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et il espère que Daphné, interprétée par Mélanie Douté, va pouvoir s'intégrer au groupe, et que l'arrivée de cette nouvelle femme ne va pas faire exploser le groupe. C'est son souhait. Donc il a choisi le bateau. Et en même temps, inconsciemment, il se dit ils pourront pas s'éloigner, ils pourront pas aller ailleurs, ils seront obligés. Ils seront là. Ils seront là, ils seront obligés de vivre la situation telle qu'elle est. J'ai une nouvelle femme, c'est comme ça, je l'aime. Est-ce que vous allez l'accepter? C'est tout le challenge du film.
D'accord. Zabou Breitman dit de vous, j'ai eu la chance de pouvoir travailler le personnage avec Olivier et j'ai énormément apprécié la collaboration avec ce metteur en scène. Humainement, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, d'une grande loyauté. Mais ça me fait plaisir, je sais. C'est dans le dossier de presse, hein ? Oui, c'est dans le dossier de presse. Je ne lis jamais les dossiers de presse, en fait. Mais moi aussi, j'ai été ravi de collaborer avec Zabou, qui, pour le coup, a collaboré avec moi, non pas en tant que réalisatrice, mais presque en tant que co-scénariste. C'est-à-dire que, de temps en temps, elle arrivait avec une bonne idée, une bonne réplique, et j'étais ébahi par la justesse. Donc, je lui disais, mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée, faisons-la. Donc voilà, ça a été une très belle collaboration avec Mélanie aussi. Et les filles m'ont apporté beaucoup, Isabelle aussi, en réplique. Oui, parce qu'on et tout parle ça. Des. Oui, mais vous parlez des filles, Gérard, quoi, qui étaient vachement. Les filles, c'est important, je pense. Ouais, qui étaient vachement impliquées. Impliquées dans les répliques. Ça cimente bien le film. Et Zabou aussi, moi j'espère qu'on va retourner ensemble parce qu'on s'est très bien entendu. Donc c'est une nouvelle comédienne dans ma bande et j'adore. Avoir une bande qui s'agrandit. Son rôle est quand même une femme. Malheureuse. Malheureuse. Ouais, c'est une femme malheureuse, alors elle se défend. Donc, un peu méchante. Ouais, mais non, elle est pas. Moi, je la considère pas comme méchante. Je la considère comme malheureuse. Et quand on est comme elle, malheureuse, elle devient irascible et insupportable avec les autres. Mais moi, la seule indication que je lui ai donnée pendant le film, c'est ça, c'est tu es malheureuse. Elle a tout compris. Je lui dis, t'es pas chiante, t'es pas méchante, t'es malheureuse, quoi. Et donc. Tu veux pas que ton couple explose et tu sens que ça va arriver et donc tu ne supportes plus personne et tu t'enterres. Justement, le fait de les mettre dans une situation extraordinaire, des gens ordinaires, c'était aussi un petit peu l'objectif du film. Oui, alors ça c'est un grand classique dans pas mal de films, hein, de mettre des gens ordinaires dans une situation extraordinaire. On parle du vôtre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un classique dans le sens où... ça devient extraordinaire à partir du moment où il y a la tempête qui arrive. Parce que mettre des gens sur un bateau en croisière, bon, ça arrive à pas mal de gens. Mais là, dans cette situation-là, avec ce paramètre de la nouvelle amie de Daniel Auteuil, plus le paramètre de la tempête, ça devient très angoissant. Moi, je l'ai vécu, hein, de se retrouver sur un bateau, pendant une tempête. C'est vraiment, vraiment angoissant. Pas une grosse, comme dans le film, hein, mais juste du mauvais temps, du mauvais grain. Et on reste à l'intérieur et on fait 4 heures de navigation pour rejoindre... un port et se mettre à l'abri, et c'est vraiment, vraiment angoissant. Regarde, elle, le maillot. On est copines de maillot. Ouais. Gilet de sauvetage, très important. Et surtout en cas de pépin. Quel pépin? Tu l'as testé avant de partir? Un bateau, c'est comme un ami, tu sais tout de suite si tu peux compter sur lui. Tu fais vite, hein, je suis crevée, là. L'iode, le sel, le vent, je sais pas, ça doit être aphrodisiaque sur moi. Gilles aussi, on n'a pas arrêté. Non, je jure, toute la nuit. Marre de cette croisière de merde. Il faut toujours quelques jours pour s'acclimater. Il y a un truc qui vient de me frôler les jambes. Ce matin, ça devrait aller mieux. C'est un huis clos, en pleine mer. C'est assez surprenant et étonnant. Est-ce que vous avez, et ça fera très plaisir, je pense, à Daniel Auteuil d'être pris pour DiCaprio, est-ce que c'était la tentative de faire un remake de Titanic? Non, parce que en l'occurrence, ils sont tous vivants à la fin. Donc, je ne voulais pas faire la même fin que Titanic. Non, mais j'ai eu, à mon avis, pas les mêmes problèmes que James Cameron, mais en partie, quelques... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler du tournage? Oui. Il y a des scènes... Enfin, la plupart, les scènes de tempête sont tournées en studio. En bassin, hein, Pas en bassin, en studio. On n'a pas tourné dans l'eau du tout. D'accord. On a tourné uniquement 15 jours à Marseille avec un vrai bateau qu'on a mis dans la baie de Marseille et pas loin du Frioul, où on a tourné ce qu'on appelle des jolis plans, des beauty shots. Les plans du dîner, par exemple. Les plans du dîner, le petit déjeuner le matin, la baignade quand ils sortent, quand ils plongent dans l'eau et qu'ils remontent sur le bateau. Ça, c'est tourné en vrai, en pleine mer. Et pendant 7 semaines, on a tourné dans un studio à sec, avec le même bateau de 26 mètres sur vérin, dans un grand studio de 3000 mètres carrés. Et on a, alors là, balancé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau. Sur le bateau, avec des ventilateurs, avec des rampes à eau, avec des splashes, des pompes à air qui balancent de l'embrun et des vagues. Limite pire qu'une vraie tempête. Ah oui, c'était l'enfer. Oui, pour eux, c'était l'enfer. Au niveau bruit? On a tout refait en post-synchro. D'accord. Tout ce qui a été fait sur le bateau était mort, ils le savaient. Et après, les magiciens des effets spéciaux, la compagnie des images d'Alain Carsou, ils ont créé les ciels et la mer qui est un peu calme au début et qui devient
dangereuse à la fin. Donc, il y a eu un long, long travail de post-production derrière. C'était très intéressant. Le fait que c'est un de vos films les plus jolis, alors quand je m'expliquais dans le terme joli, c'est de belles images. Oui, oui. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Alors évidemment, vous n'allez pas me dire j'avais la volonté de faire des images On dégueu, essaie toujours de faire des belles images. Mais là, en l'occurrence, il a fallu se démener pour faire encore plus de belles images, parce qu'on n'avait qu'un seul décor. Voilà, et on a surtout filmé le ils sont 8, donc le 9e acteur du film, qui est le bateau. Et donc, il a fallu faire pas mal de plans d'hélicoptère, faire des plans de jour, des plans de nuit, des plans Magic Hour, pour filmer ce bateau, parce que autrement on tournait vite en rond. Donc, j'ai voulu faire de l'extérieur et le rendre beau et inquiétant. Les plans sous-marins aussi sont faits pour ça. Donc, au début, c'est idyllique. Et puis, dès qu'on passe en sous-marin, on va comprendre que ce bateau, ça va devenir un cercueil flottant, quoi. Donc, tout ça reste une comédie, hein. On est bien d'accord. Mais il fallait quand même dramatiser à un moment donné l'histoire pour bien faire comprendre qu'ils allaient rentrer dans une tempête assez monstrueuse. Elle a quel âge, Daphné ? Elle a 34 ans. Ah oui. Ben quoi, je l'aime et je suis même amoureux. Ça fait des années que j'ai pas été amoureux comme ça. C'est totalement différent de Charlotte. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais ça nous fait bizarre. C'était habitué au bureau. Attends, 20 ans de Luberon, 20 ans de Grillon, j'en pouvais plus. Maintenant, j'ai tourné la page. Hein. Ouais. Bon, je suis très content que vous soyez venu. Enfin, étant donné la situation, quoi, il y en a beaucoup qui m'auraient laissé tomber, mais non, vous êtes là. Merci. Bah tiens, tu vas pas te débarrasser de nous si facilement. Hein. Alors justement, puisqu'on parle de comédie, est-ce que vous avez des nouvelles de Jean-Michel, je trouve pas la fin. Ah, Jean-Michel, je trouve pas la fin. Il va bien. Jean-Michel, je trouve pas la fin, ne va bien. Jean-Michel à moitié va bien. Manitas de l'Habitas va très bien aussi. Ils sont bientôt tous... une compile. Bah, les compiles, elles existent déjà sur Internet, puisque voilà, elles ont été. Elles sont pas mal sur YouTube. Sur YouTube, elles sont là et tout. Je sais pas si on refera ça. Peut-être qu'un jour, ça donnera naissance à un film, à un personnage. Oui, parce que là, il y a vraiment une. Il y a matière inépuisable. Mais en tout cas, oui, on pourrait faire un film sur l'un de ces chanteurs. Peut-être, voilà, Jean-Michel n'a pas de ceinture. Ouais, ou Jean-Michel à moitié, ça pourrait faire un film. Jean-Michel à moitié, c'est pas mal. Jean-Michel à moitié, ça pourrait faire un film. Il ne chante que la moitié des chansons. Je ne suis pas sûr que ce soit un film. Mais non, ils vont bien. D'accord. Ils sont dans les cartons chez nous. C'est une bonne chose. Ils attendent de revivre. Alors, pour votre film, vous avez travaillé pour la deuxième fois avec Martin Rapneau, oui. Au niveau de la musique, oui. Que vous aviez déjà eu sur les. Il a fait tous mes films, sauf Pamela Rose, qui a été fait par Hervé Rakotoferenga. Qui est un ami commun à Cad et à moi, mais autrement, il a fait Ce soir, Jean chez toi, Safari l'Italien, Les Tuches, entre amis, et on a marché sur Bangkok. Je lui ai demandé de faire une musique qui soit en rapport avec l'âge des personnages, c'est-à-dire qui soit un peu nostalgique, un peu old school, et pour vous dire la vérité, aller vers Vladimir Kosma, avec un thème très fort, qui revient souvent, et des instruments plutôt des années 70-80. Donc, je trouve qu'il a bien fait le job. Sauf pour la tempête, je vais demander d'envoyer un peu la sauce, du lourd. Mais autrement, on voulait jouer quelque chose de léger, voilà, quelque chose de nostalgique, qui me parle à moi. Les films que je regardais le dimanche soir, j'avais envie de retrouver cette musique-là dans le film. Est-ce que c'est le fait pour vous aussi d'avoir passé un cap ? Oui, je viens d'avoir 22 ans, hein, donc oui, c'est voilà. Sûr que c'est un cap. Non, oui, c'est sûr. Oui. La vingtaine, c'est jamais évident. Oui, voilà, la vingtaine, c'est pas évident, la cinquantaine encore moins. Oui, je vois ça. Oui, donc à 50 ans, on commence à devenir nostalgique. Mais il faut faire attention, hein. Faut pas être trop nostalgique. C'est pas bon. Mais un peu, de temps en temps, un petit peu de nostalgie. Faut pas tomber dans le travers du « c'était mieux avant », par exemple. Faut faire attention à ça. Vous clôturez ce festival. Quelle est pour vous l'importance de la rencontre avec le public ? C'est important dans le sens où vous percevez quand même si les gens aiment votre travail. Non pas que vous allez prendre forcément des conseils du public, leur demander quelle histoire raconter, on n'est oui, pas là. Oui, bien sûr. Non, mais la pub fait ça, hein. Les politiques font ça. Quelle histoire voulez-vous que je vous raconte ? Mais vous n'allez pas rentrer en politique. Non, mais je veux dire, le cinéma pourrait très bien utiliser... Tout à fait. Les mêmes méthodes pour raconter finalement une histoire qui plairait à tout le monde et tout. Non, c'est avoir un ressenti, c'est finalement se rapprocher un peu du théâtre. Voilà, on vient de présenter un spectacle, et puis voilà, dans les petites rencontres qu'on fait comme ça après la projection,
on sent si s'est passé quelque chose ou pas, les gens vous parlent, tout ça c'est de l'amour, on a juste envie de se faire aimer, hein, c'est juste ça. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques ? Non, absolument pas. Est-ce que vous j'ai réglé le problème. Vous non, lisez les critiques ? Non, je ne les lis plus. Non, je vous dis la vérité, je ne les lis plus. Mais non, il m'arrive parfois d'en entendre parce que, en général, les gens, des gens qui peuvent, qui m'aiment pas ou qui m'aiment moyennement vont vous en balancer. Vont réussir à me glisser. Dis donc, t'as vu bon, dis donc, c'était pas génial dans le Parisien ou dans machin ou dans truc. Mais je laisse faire, enfin, je n'ai pas à les empêcher d'ailleurs, mais les critiques font leur travail et moi je fais le mien. Maintenant, je ne veux pas, moi, lire les critiques ou alors je vais les lire peut-être beaucoup plus tard. Vous savez, Judas Pato, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un réalisateur-producteur, il a dit une phrase qui est assez vraie. Je trouve qu'il faut attendre une dizaine d'années avant de connaître la vraie valeur d'un film. Et donc voilà, je lirai les critiques de mes films dans 10 ans. Quand ils auront eu 10 ans d'âge, okay. Comme le vin. Et là, je dirais, ah oui. Non, mais voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. On peut se souvenir qu'à la sortie du Père Noël est une ordure, le film avait été descendu et aujourd'hui, il est pris pour un film culte. Voilà, et il a fallu attendre 10 ans ou 15 ans donc, ou 20 ans. Il a été conservé dans une bonne cave. Oui, voilà. Hein, apparemment. Oui, oui, non, mais voilà, et ça ne sert à rien ou alors de lire les critiques pour avoir un ego surdimensionné. Une très bonne critique, ça y est, vous allez vous prendre pour le roi du monde. Et une mauvaise critique, ça peut vous mettre à terre. Donc autant ne pas les lire et se préserver de ça, et c'est très bien. Et justement, parlant d'ego surdimensionné, quand CAD a tourné Bienvenue chez les Ch'tis, et surtout le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, est-ce que vous avez eu peur de perdre votre ami quelque part? Non, on était ensemble. Vous savez, c'est très bien fait la vie, hein, parce que on aurait très bien pu ne pas être ensemble au moment du succès des Ch'tis. Il se trouve qu'on était ensemble en Afrique du Sud, pour Safari. En train de tourner Safari. Donc tous les jours, il me disait, bah tiens, on a fait 2 millions, puis le lendemain, on a fait 4, et puis on a fait 8, et puis j'y mais super. Donc on l'a vécu ensemble, et après je l'ai revu en rentrant à Paris, et voilà, et ça n'a rien changé à notre relation, heureusement. Sinon, on n'aurait pas encore tourné derrière d'autres films. Donc ça n'a rien changé. Si ce n'est que CAD, bah voilà, c'est devenu un acteur, une vedette, une star, un acteur bankable et qui tourne et il réalise son rêve, c'est de d'être acteur et de tourner. Entre amis est votre 7e film. Oui. Vous allez garder ce rythme de la télé, puisque faites compte, vous avez à peu près fait un film par an. Oui. Oui, encore deux. Là, je vais pendant 2 ans en tout cas. Oui, je vais encore faire un film par an. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du retour d'une famille du Nord, une famille de Bouzolle Oui, c'est ça, les Tuches. Les gens qui mangent des frites, frites. Des frites. Ouais, les Tuches, c'est une famille que j'adore. Vraiment, et je vais tourner la suite là à partir du 8 juillet. Et je retrouve la même famille avec Donald qui a grandi. Ça s'appelle Les Tuches, le rêve américain. Et c'est un très joli film, très drôle et avec pas mal de fonds sur l'Amérique. Et on va tourner ça le 8 juillet, un peu à Montréal, Los Angeles et Las Vegas. J'ai coécrit le film avec les auteurs des Guignols de l'Info. Donc c'est assez acide. Et voilà, j'ai hâte. Ça va être un très, très beau film. Très beau film. Avec plein de choses très drôles et aussi pas mal de choses sociétales qui parlent de l'Amérique, de la France, de la société dans laquelle on vit. Ouais, avec du fond, mais dans Les Tuches 1... Dans Les Tuches 1, il y a beaucoup de fond. Il y avait du fond, mais là, il y en a encore plus. Il y a encore plus d'émotions. On a fait attention à ça, et on a vraiment... C'est une volonté commune rire, mais aussi pleurer, quoi. Donc... Et toujours avec la même famille. Jean-Paul Roux, Isabelle Nanty, Pierre Lottin, Sarah Stern, Théo Fernandez, la mamie Claire Nadeau. La mamie Nadeau est toujours là, mamie Suze. Sera là, et mamie Suze va parler le Navarro dans Les Tuches 2, parce qu'elle va rencontrer des Indiens Navarro, des vrais Indiens Navarro. Et on va comprendre que la langue qu'elle parle, en fait, c'est du Navarro. Donc voilà, c'est un exemple, mais il va se passer plein de choses. T'as déjà navigué avec ce qui nous arrive, là? C'est rien, c'est juste un petit grain. Vous avez peur? Parce que vous êtes vieux! Point vieille bite molle! En tout cas, je suis très contente d'être là. D'être avec vous, avec la partie du groupe. Vous me faites tous chier! On dira ce que tu voudras, mais toi, quand t'organises des vacances, je chipote pas sur les activités, hein. Merci d'être là avec moi. Je vous aime. Ça, je les aime. Mais ils sont chiants parfois. Il faut juste reboucher.